Bonsoir à tous et à toutes, comment les views? Je vous reprends à 21h10 et on est jeudi. Demain, vendredi, et après, c'est le week-end. Petite vidéo, petit plat du soir. Aujourd'hui, ça va être, ce soir, cette petite tomate, de la salade, des œufs. Et croque-monsieur ou conseil là. Mais vous savez, il est tout fin. Donc bien sûr, c'est industriel. Et on va mettre la petite salade dedans, là, dans les petits trucs. Ah, je les ai achetés, c'est pas pour les laisser dans le placard. Ils sont tout propres. Et j'ai préparé, moi, pour ma gamelle de demain. Demain, ça va être pareil, ça va être de la salade, des tomates, la sardine, des œufs et alors Shabbat. Ça ira très bien pour demain, comme c'est vendredi. J'ai pris du pain. Ça fait 2 jours que j'oublie de prendre du pain, c'est énervant. Chaque fois, j'oublie. Ça ira très bien. Bon, allez. Découpage. On va découper. Hop. Mettre là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On va découpage. Comme ça, il me fait peur ce con. Je vais couper les tomates comme ça. Voilà, ça va changer. Un coup, je fais des petits carrés, un coup, je fais des ronds. Donc là, ce soir, ça sera comme ça. Voilà, je vais lui couper comme ça. Hop. Là, je vais mettre une seule tomate, ça ira très très bien. Bon, bien sûr, je les ai lavés. Hein, c'est comme... Comme dans les corners, ça, tout le monde y touche. Avec leurs doigts. Pour éviter d'attraper des aphtes. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites de beau à manger ce soir? Oui, hein, c'est un truc vraiment tout simple. Hein. On va pas se faire chier ce soir. Surtout ce soir, on va pas s'emmerder. Demain, pareil, on va pas s'emmerder. Enfin, demain, je sais même pas si je suis sûrement. Ah oui, demain, j'avais envie de. D'ailleurs, j'espère que j'en ai. Lardons, j'avais envie de petits pois au lardon. Petits pois lardons. Avec une petite sauce tomate à la crème fraîche. Oui, mon bébé, t'as fait caca pipi? Crème fraîche avec une petite viande à côté, ça ira très bien. Donc, je sais pas où est-ce qu'elle les a pris les tomates, mais elles sont très très jolies. Regardez, une belle petite grappe, vous voyez. Puis ça sent bon, ça vient de mon jardin. Elles sont jolies, hein. J'ai belles tomates hein, du jardin. Eh oui, moi aussi j'ai le droit à avoir un jardin. Même si il est virtuel, il y a un jardin. Il fait des belles tomates. La preuve. Donc on va les laver.
Voilà, on va aller la bêche. Ouf, punaise. Ah, il sent bon là. La tige, elle sent bon le truc de Jardiland. Jardiland, Jardiland. Jardiland, aujourd'hui on a sorti, c'est parti de bonne heure. Les parties étaient 4 heures. N'y avait plus rien. Par contre, pour moi je fais comme ça. Voilà, moi je fais des petits cubes. Voilà. Hop. Moi, les tomates, je préfère les manger comme ça. Nous, on mange avec la peau. Il y en a, je sais qu'ils n'aiment pas trop la peau des tomates. Ils les épluchent. Après, chacun son. Chacun leur choix, chacun leur goût. Moi, je les garde. J'enlève pas la peau. Tout simplement que avec la peau, il y a beaucoup qui ont du mal à digérer, à le digérer. Comme la peau des poivrons. Moi, la peau des poivrons, je suis obligé d'enlever la peau, parce que si elle ne digère pas. Mais moi ça passe, moi, avec les peaux. Avec les peaux, j'ai pas de peau. Hop, voilà, ça, c'est pour moi. Voilà. Petite salade tomate. Hop. Ça c'est fait. Maintenant, ma gamelle. Ma petite gamelle. Pareil, je vais faire des petits carrés. Bon, c'est pas trop le temps, c'est sûr, de manger des petites salades comme ça, mais bon, ça change aussi. Ça change aussi. Ça change, ça change. Mais pas beaucoup. La laitue, moi j'aime pas trop. Enfin, j'aimais bien avant, mais depuis que j'ai découvert la mâche, et ben je préfère la mâche. C'est pas que j'ai découvert Gexfour, monseigneur. C'est depuis que j'ai découvert. La mâche. Hop, voilà, juste une petite salade comme ça, pas trop. Parce qu'il faut quand même de la verdure, mes enfants. Il faut de la verdure. Il faut manger de la verdure. Voilà, je préfère la.
cisaillé. Voilà, petite salade, petite tomate. On va mettre les sardines. Ah, les sardines, les sardines, les sardines. Je sais plus c'est quoi la chose. Ah oui, c'est avec Sébastien. Plus des sardines, hein. Je me rappelle plus trop la chanson. Sais pas si elle veut dans un truc comme ça. La salade. Hop. Ok. Donc voilà, donc c'est au plus simple, hein. C'est au plus simple, monseigneur. Voilà, petite salade, alors ça va. Peut-être me mettre du fromage. Le premier, j'enlève toujours. C'est toujours un peu sec. Hop. Petit morceau de petit morceau de chèvre. La chèvre de Monsieur Seguin. Depuis 2-3 jours là, je mets la ceinture là, ce que Fatima m'avait donné. Elle est légèrement un petit peu grande, c'est dommage parce qu'elle a tendance à glisser. Et elle sert pas assez. Elle sert pas assez pour maintenir bien la colonne vertébrale. Mais elle fait son job. Oh, mon bébé. Oui, mon cœur, tu veux quoi? Tu veux quoi, mon bébé? T'as faim? Hein? Doucement. T'as faim, mon cœur? Bah oui, s'il mangera après, parce qu'il est en train de dormir, ton frère, là. Tu peux pas donner un sachet? Hein? Hein? Papa donne miam miam? Tu veux le miam miam? Et papa va donner miam miam. En plus, t'as un sachet, hein? Je vais même pas manger celui-là. Foutu de ma gueule, hein? Les assiettes sont tout mouillées là. Oui, bah oui, papa va donner. Oui, papa va donner. Oui, papa va donner. Oui, papa donne. Oui, papa va donner. Oui, tu veux quoi? Hein? Oui, petit bébé. Tu veux un truc bizarre comme ça? Hein? Tu veux un truc bizarre comme ça? Attention, ne pas éclabousser. Qui a faim? Qui en veut? C'est très bon pour la santé. Ça sent bon leur merde hein, quand même. Hein. Des fois ça pue, des fois ça bon. Bon bah bon appétit, hein. Allez, viens.
Bon appétit! Une mouse, il dort. Je lui donnerai. Enfin, il en a un là, mais je lui mettrai un sachet tout à l'heure quand il se réveillera. Donc, on avait dit sardine. Oh, ça a la tomate, génial. Bah, du coup, je vais pas enlever la sauce. Je croyais que c'était à l'huile, mais ça a la tomate. Donc, très très bien. Hop. Sardine, la tomate. Voilà, comme ça fait un petit plat sympathique pour demain. Comme ça, j'ai pas besoin de faire la queue pour faire chauffer ou attendre 50 millions d'années. Nickel chrome. Voilà, hop. Mélange un petit peu. Je vais quand même mettre un petit peu de sel parce que des fois quand on fait des salades comme ça, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre, un petit peu de jboubanette. Hop. Alors, pas trop, si je veux pas que ça soit trop salé, sinon ça va être dégueulasse. En fait, il n'y aura pas de. Voilà, déjà vu. Hop, un petit peu de pimente. Voilà. Un petit peu de persil. Voilà. Un petit peu de persil aussi sur les tomates. Voilà. Alors, Shabbat. Toc, toc. Ça, pareil. Hop. On va mélanger. Comme je ramène pas de sauce. Là, il manquera que les œufs et c'est bon. À moins que je ramène une petite sauce là-bas du boulot. Que je pense à leur ramener demain. Bon, après, une fois mélangé, ça fait pas joli, hein, mais bon, c'est pas une œuvre d'art aussi, hein. C'est qu'un plat hein, pour bouffer, hein. Et oui, parce que moi je bouffe. Je mange pas, je bouffe. On m'a dit que je bouffais. Donc je bouffe. Je savais que bouffer. Donc comme je bouffe, bah je bouffe. Wesh. Wesh, voilà. Wesh. Wesh, mon seigneur, wesh. Wesh, wesh. Et voilà. Ça, moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et quelle heure? Ouh. 21h29. Je vais pas tarder à manger. Donc, le pain. Je vais le mettre dans du papier alu. Maintenant qu'on a du papier alu. Voilà, je vais prendre ça, le restant de la sauce bordel là. J'ai pas envie de prendre.
tout entier là. Bah là, mon bébé, c'était bon, mon cœur. Et ce soir, la sauce samouraï. C'était bon, mon bébé. Oh bah oui, hein. Oh là là là, moi je me lèche les babines. Moi je me lèche les babines. Hein, moi je me lèche les babines. Ça galère ça pour enlever ça là. Chaque fois tu perds un petit morceau là. Ouh, il est fin lui. Papier alu là. Est-ce que je vais avoir assez de. Est-ce que je vais avoir assez de pain? Ouais. Ouais, deux, ça devra suffire. J'ai pas envie de trop en prendre non plus. Ah ouais, il est hyper fin le papier alu là. Laisse tomber la neige. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Il manquera les œufs. Ils vont pas tarder. Les œufs vont pas tarder de pondre. J'attends que la poule finisse de pondre. Et on va mettre. Oh, vous êtes travers. On va aller voir si la poule. Elle a pondu. On va voir si la poule a pondu. Elle a yam pondu la poule. Est-ce qu'elle a yam pondu la poule ou pas yam pondu la poule? Ouais, ils sont bons. C'est bon, la poule, elle a pondu. Elle a pondu. Elle a pondu. Voilà. Ils sont prêts les œufs. Hop, on va se retourner. Celui-là, c'est chiant. Donc après, je ne sais pas comment on veut ces œufs là. Est-ce que je veux avec les tomates? Oh, mon plaisir. Oh putain. Intermarché. Je sais pas si je vous ai dit que la place d'Intermarché là, c'est un étau. Un étau qui va avoir celui qu'il y a eu Intermarché de l'autre côté là. Mais il va être comme Intermarché Express. Non, Intermarché Market. Il va être assez grand, mais là, cette fois-là, ils vont tout casser. Apparemment, ils ont cassé plein de trucs. Ils vont vraiment refaire un neuf. J'ai celui de Joinville, là, il devait justement. Ils veulent le refaire à neuf et puis à la finale ils l'ont pas fait. Ils ont juste rajouté des nouveaux meubles, là, c'est tout ce qu'ils ont fait. Or que c'était prévu des travaux. Travaux pour que ça change un peu, pour que ça soit pas toujours pareil quoi.
Mais là, apparemment, eux, ils vont bien le faire. Ils vont le faire vraiment à neuf. Donc, on va casser les œufs. Comme j'ai mis du sel, normalement, la peau devrait bien s'enlever. Normalement, il faut juste choper la peau, enfin la petite pellicule là, et normalement, il s'enlève tout seul. Voilà, déjà à neuf. Ils sont pas gros, hein, ceux-là. Hein. C'est des œufs petits. Mais bon, ça reste quand même des œufs. Bon, je sais, normalement, on fait ça et mon grand-mère, il faisait comme ça. Pour enlever les coquilles. Et voilà. Ça va plus vite. Vraiment, ils sont là, nos grands-mères. Hein, parce que. Hein. Hop. On roulait comme ça. Pas trop écrasé. Et normalement, ça s'enlève plus facilement. Enfin, j'espère. Après, voilà, on a. Technique hein, pour le cahier des œufs. Normalement c'est ça hein. Mais je crois qu'il y a des appareils spéciaux pour enlever les coquilles, mais ça c'est vraiment pour la pour ça aille plus vite. Mais moi je dis c'est pour les feignants. Hop, ça en fait deux chacun, un, deux, un, deux. Et le reste, c'est pour moi, pour ma gamme même. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va enlever la coquille, on va mettre dans la poubelle. Et voilà. Et maintenant, on va enlever. On va déjà. La gamelle, elle est pas sale. Hop. Monseigneur. Monseigneur. Hop, je vais remettre. Ah, avant, il faisait pas comme ça le truc là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a le bordel encore là. Ils sont tout chauds les oeufs. Tant bien. Sont bien cuits. Je sais pas, je vais laisser comme ça parce que je sais pas si elle veut peut-être en plusieurs comme ça. Voilà. Je sais pas si elle veut.
Hop. Hop. Un deuxième œuf. C'est trop bon les œufs chauds comme ça là, et de la mayonnaise. C'est super bon. Et voilà, un petit truc tout simple, mais alors ça va, non? Avec un petit peu de persil. Voilà, un petit décor. Alors, Shabbat, voilà, ça va très bien. Mais moi, je vais pas m'embêter. Hop. Moi, je mélange comme ça, je m'en fous. J'ai pas besoin de chichi pour faire un décor. Toute façon, on va le bouffer. On va te bouffer le bordel, donc il n'y a pas besoin de faire de chichi. Le décor, c'est quoi? C'est rien, hein, c'est juste pour faire joli hein, dans l'assiette, c'est tout. Hein. Pour ça, on fait des décors. Mais tu veux pas faire de chichi, tu fais à la bombe Franken, hop, tu coupes, tu mets dans le plat et à l'archabade. Comme la cambrousse, et hop. Et pour la campagne, t'as pas besoin de faire du chichi pour que ta gamelle elle soit jolie ou ton plat. Tu mets dedans comme à l'armée. Et hop. Crois qu'à l'armée, ils vont s'amuser à faire des chichis, des belles assiettes. Te mettre ça comme un paquet de merde. Et c'est parti, mon kiki. Hop. Et voilà, ça fait une bonne petite truc. La gamelle. Voilà. Celui-là, on va se le partager. Hop, voilà. Voilà, ça fait un nœud neuf. Ça fait un nœud neuf chacun. Là, c'est juste pour faire joli, monseigneur. Voilà. Voilà, c'est juste pour ma meuf, hein, sinon ça sera comme à la bande franquette. Et blah, dans l'assiette. Comme un paquet de merde. Moi, je te le dis, moi, comme un paquet de merde. Donc voilà, moi, j'ai fini tout ça, là. Hop, je remets droit. On va laver ça. J'ai dormi un peu là, ça fait du bien. Sur ma plaie, c'est 18 h. J'ai le temps de ramper. J'ai pris une bonne douche, un café, direct au lit. Ah, jusqu'à
C'est 8h30 de bain. Hein. Ça m'a fait peut-être dormir 2 heures. 2 heures, 2h30 à tout casser, j'ai dormi. Ça m'a fait du bien. Et voilà, comme ça c'est propre. C'est propre, on n'en parle plus. Hop. On va prendre les élas. Non, il est où mon bleu là? Il est là. Hop. Ça pour le pain. La petite sauce qui va avec. Voilà. La boisson, il me reste encore là-bas au boulot. Hop, ça. Voilà. Ça, samedi. Demain, j'irai à la fin du marché pour voir si je peux récupérer encore des élastiques. C'est ça, c'est très bien. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est les élastiques qui entourent le... L'élastique qui entoure les caisses de poissons. Moi je récupère comme ça, après je les trempe dans le javel ou dans la lessive, un peu de produit de vaisselle, tu laisses tremper dans l'eau, alors chaval, comme ça l'odeur s'en va. En plus ça s'en, il s'en va facilement. Voilà, hop, flé gauche, comme ça c'est fait. Voilà. Oh. Monseigneur. J'avais oublié le petit yaourt. C'est le plus important, le petit yaourt. Donc, machin, c'est mon dernier. Pour Cécile, je sais pas, je vais lui sortir un truc. J'en sais rien. Je sais pas si tu veux. Je sais pas ce qu'elle veut, la meuf. Donc moi, je vais faire chauffer mon truc. Mon truc en plus, j'y me parle d'aventure. Tidali-la-la-li, tadali-la-la-la. Titali-ta-ta-ti-ta-ta-ta-ta. Ti-ta-ti-ta-ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta. Oh, ouais. Oh là là là. Bordel en dessous, là. Ah, faut que je trouve un autre système pour ça, là. Ça c'est pas bon, c'est en train de me dire, on prend son enfant, c'est un liquide d'eau. En plus tu prends un truc, tout se casse la gueule, ça m'énerve. Faut que je trouve un autre système, parce que ça, ça va pas ça. J'ai trouvé carrément un grand meuble, plat, carré ou rectangulaire, avec des étagères. Parce que franchement, c'est la galère, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant.
Bon, du coup ça, je range, j'ai pas besoin. Hop, hop, toc. Oh, monseigneur. J'ai le yoke, monseigneur. Hop, hop. Donc, il n'y a pas besoin de matière grasse, juste. Attention. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est les petites croque-monsieur. Voilà. Il y a juste à enlever le bordel là. Et il y a déjà du beurre. Voilà, c'est juste pour faire fondre le beurre. C'est juste un aller-retour. C'est juste pour enlever le gras. Voilà. Faire les miens après. Merde. Je vais faire ceux de la miss, de la mistinguette. C'est vraiment un aller-retour hein. Sinon ça clame, ça clame, sinon monseigneur ça clame. Dedans. Hop. Voilà. Petite assiette. Allez. Voilà, pas plus. Sinon après, ça clame. Avant je mettais un peu de beurre, mais je me suis aperçu que c'était un peu gras. Et j'ai pas remarqué qu'en fin de compte, il y avait de la matière grasse dessus. Et du coup, bah, j'ai arrêté d'en mettre et on les fait cuire comme ça maintenant. T'es qui toi? T'es qui toi? T'es qui toi? Vous êtes qui le meuf là en bas là? Ah, j'avais bien remarqué. Elle est où votre soucoupe? Au parking. Sur les travaux là. Là, c'est ma petite voisine Bella. Chanel.
Hop, c'est bon. J'ai pas envie que ce soit trop trop cuit. Voilà, petit bidule. Donc comme la mise, on va remonter. Bon, je vais le faire. Comme apparemment elle est avec Chanel. La gamine, comment elle nous adore, c'est dingue. Depuis toute petite, elle nous a toujours, bien estimé. Toujours des câlins, des bisous. On est un peu leur, pour elle, on est un peu son, leur tonton et tata quoi. Elle nous adore. Ça, c'est pas qu'on fait les, le truc de troc là, elle aime bien faire avec nous. Il y a de l'ambiance, on rigole avec Martine et tout ça, on déconne, elle aime bien. Hop, mets ça à la poubelle. Croc. Fermer quand même parce qu'il fait pas chaud. Hop, dans sa belle petite assiette de flamant rose. Oh, et voilà, la bouffe elle est prête. La bouffe elle est prête, la bouffe. T'as pas changé la litière. Oh non, j'avais dit. Oui, bah. Exactement. Non, bah demain. Demain, parce qu'il va pisser partout. Sans les craques. Oui, maison. Sans les craques. Maison, pour une fois. Ah si, ça a failli là. Ah mais c'est pas normalement ça tu craques. Ça a failli cramer. Mais bon, ça va. C'est croutillant. C'est croutillant. Et après, bah c'est bon, hein, on va pouvoir bouffer. On va pouvoir bouffer, il est quand même 10h. Moi, dans une heure, je me recouche pour faire un gros dodo pour demain matin. Hop. Donc voilà, ça va être un petit plat, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit plat tout simple. Hop. Tic tac toc, toc toc tic 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 tac toc toc. Du 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 du. Oh ça y est, ça m'a étonné. Hop, c'est bon. C'est bon, et voilà. Et voilà, monseigneur. Tout est prêt. Hop. Et je vous montre. Comme ça en hauteur avec la petite tagine
Et voilà! Ça passe joli, hein? C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Désolé, j'ai un peu la tremblote. Donc voilà. Et puis vous êtes encore de travers. Donc si vous avez aimé petit plat du soir, ça peut vous donner des idées, hein. N'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Nous, on se dit à très très bientôt pour des nouvelles aventures de soit de recettes ou de plats du soir. Bon appétit pour ceux qui mangent, bon appétit pour ceux qui ont déjà mangé. Et puis bon appétit à moi-même. Wali, walou. Allez, ciao ciao, à une prochaine.